Jambe droite courbe vers la gauche, tape jambe droite au sol, genou droit, genou gauche vers la droite, genou droit, genou gauche vers la droite, jambe droite courbe. Levez bras droit, puis bras gauche. Descendre bras droit, feuille morte, tête opposée à chaque mouvement, bras gauche derrière. Même mouvement, coude vers le haut, passe par derrière, rond de buste, finir. Alors ça, c'est un extrait des carnets dans lesquels j'ai replongé. J'ai relu tous mes carnets que j'ai écrits depuis une vingtaine d'années de travail chorégraphique. Au cours de cette lecture, je me suis aperçue que j'avais oublié beaucoup de choses. Et que même en lisant la description du mouvement ou d'une séquence, elle n'était pas forcément restée comme ça, précise et réelle dans le corps. Et pourtant, c'était quand même là. Et en fait, donc du coup, j'ai travaillé sur l'oubli, sur la perte. Mais en fait, sur la perte, mais ce qui reste quand même si les choses s'effacent. Jambe droite courbe vers la gauche. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est par exemple le livre de Georges Perec, La disparition, où la lettre E, donc, qui est complètement absente du livre. Et on ne pense qu'à ça, à cette lettre qui manque. Et dans le solo, je ne pense qu'à ça, aux êtres qui me manquent et à ce qui me manque aujourd'hui. Tape jambe droite au sol. Il y a de l'humour, il y a une distance, puisque je travaille beaucoup là-dessus, sur l'autodérision. Sol, genou droit, puis genou gauche vers la droite. Dès le début, j'ai commencé à... En fait, j'ai jamais réussi à faire deux créations par carnet. Donc à chaque fois, même si le carnet n'est pas tout totalement rempli, il y a un carnet par création. Et en fait, dès que j'ai commencé ma formation de danseuse, j'ai commencé à écrire et à relater dans mes carnets aussi des moments de travail, des phrases glanées là par le chorégraphe ou par des lectures qui accompagnent une création en fait. Genou droit, puis genou gauche vers la droite. La robe rouge, elle sera suspendue. Et c'est une robe dans laquelle j'ai dansé dans une création de Thierry Escarmon qui s'appelait Parlez-moi. Et donc je dansais dans cette robe que je n'enfile pas du tout dans le solo, qui reste comme ça, comme une trace. Et la perruque blonde, c'est une longue histoire. C'est que j'ai toujours voulu... qu'un chorégraphe me demande de me teindre en blonde. Et donc, c'est jamais arrivé. J'avais été avec une perruque blonde dans une pièce qui s'appelait Cher ami à Bordeaux. Donc voilà, donc, j'utilise cette blonde qui est souvent là dans mon parcours. Et le sèche-cheveux, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'était quelque chose qui était nommé dans une pièce de Thierry, où il disait « Quelqu'un se sèche les larmes avec un sèche-cheveux. » Et donc, moi, j'ai eu envie de donner, de le faire réellement. Jambe droite courbe vers la gauche, tape jambe droite au sol, genou droit, genou gauche vers la droite, genou droit, genou gauche vers la droite, jambe droite courbe.